En fait, j'ai mon grand frère qui est malade. Il a un AVC qui date de 2018. Et son état s'est aggravé. Actuellement, il ne peut pas avaler les médicaments. On est parti voir un médecin neurologue du nom de Dr Tafsir Diallo qui travaille à Ignace Dine. Il a fait un bilan général et puis il a constaté qu'il a un problème de manque de calcium très aigu. Alors il nous a prescrit un médicament, il a fait une ordonnance, il a prescrit un produit qui s'appelle Calgène 2-3. On est parti, je suis parti à la pharmacie, j'ai acheté le produit. Alors on est revenu à la maison. Comme il refusait d'avaler les produits, on a préféré écraser et mettre dans la nourriture, dans la bouillie, pour qu'il puisse prendre le produit. Alors on a écrasé, sa femme a écrasé du moins le premier produit à mon insu. Elle a constaté qu'il y avait des papiers, des bouts de papier blancs. Elle m'a appelé, m'a dit « Ah, j'ai constaté tel ». J'ai dit « Non, c'est parce que tu as mis du papier dessous ». C'est ce qui a fait qu'il y a du donne-lui. Elle a enlevé les bouts de papier, elle lui a donné le produit. Le produit est prescrit pour 2 comprimés par jour, un le matin, un le soir. Et le soir, elle a fait, elle a écrasé encore. Elle a constaté la même chose, elle m'a dit, je dis non, attends, enlève complètement le papier et tu mets dans une assiette pour demain matin. Je vais voir moi-même. Elle a fait le matin, le lendemain, dans une petite assiette, elle a écrasé, elle a constaté. Et je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir les photos, bon, mes collègues sont partis avec les photos. Elle a constaté, elle m'a dit, j'ai dit, bon, attends, moi j'arrive. Le quatrième comprimé, on a écrasé ensemble devant moi. Après, j'ai vu, j'ai dit non, donc arrête ce produit. J'ai pris le produit, j'ai pris ce que j'ai écrasé avec les bouts de papier, je suis parti voir le pharmacien, là où j'ai acheté. Donc je lui ai montré. Lui-même, il a dit, ah non, c'est pas possible. Il a appelé, il m'a demandé si j'ai l'ordonnance. J'ai dit, ouais, voici l'ordonnance. Après, il a appelé le médecin, qu'il connaissait déjà, docteur Tafsir. Il l'a appelé, il lui a dit, ah, un de tes patients est venu ici, tu lui as prescrit Calgène 2-3. Alors, il est venu, il faut qu'on change ce produit, parce que le produit, apparemment, n'est pas bon. Il dit, ok, prenez n'importe quel autre produit là-bas, un produit substitut. Et non, l'autre a dit, non, toi-même, donne-moi le nom d'un produit. Il dit, non, il lui a donné un autre nom, comprimé effervescent, vitamine D. On a pris ça, je suis parti. Le premier produit où il y avait des problèmes, selon le pharmacien, c'est un produit fabriqué en Inde. Il coûte 62 000. Le produit substitut de marque allemande, Denk, de la firme Denk, je l'ai acheté à 111 000, je crois. Mais, il faut reconnaître, le pharmacien m'a donné le produit, le second produit, gratuitement. Je lui ai rendu le produit et lui-même, il a retiré de sa pharmacie le produit. Il me dit, comme il connaît la procédure, il est pharmacien et il est de l'ordre de la pharmacie aussi, qui va aller au niveau du ministère de la Santé pour essayer de dénoncer la chose. Bon, la première chose d'abord que moi j'ai faite, et je suis venu immédiatement parce que j'ai dit au pharmacien, j'ai dit non, j'ai confiance en lui, mais qu'il fasse de telle sorte que cela soit connu au niveau du ministère de la Santé. Parce que c'est un problème, c'est un danger public. Alors, je suis parti sur ma page Facebook, j'ai fait une publication. Photo, produit, tout écrasé. Dès que j'ai fait la publication, une amie Facebook qui prenait le produit a vu, elle a écrasé elle aussi, elle a vu du papier dedans, elle m'a envoyé même une photo que j'ai ici. Donc, et elle a acheté dans une autre pharmacie de la place à Conakry. Alors, ce que moi je dis, il faudrait qu'on fasse de telle sorte que, c'est pourquoi j'ai informé les journalistes, il faudrait qu'on fasse, vous et nous, qu'on essaye de se donner les mains pour que vraiment ce cas-là soit un cas connu au niveau national, voire même international. Parce que c'est très grave. Combien de personnes sont en manque
hein, de calcium. C'est ce qui cause le rhumatisme et tout. Vous voyez les vieilles personnes. Et c'est un produit apparemment qui coûte moins cher que les autres produits parce qu'il vient de l'Inde. Mais c'est un produit très dangereux parce que c'est du papier blanc qui est dedans.